Spirit of Plant, bonjour. Donc nous allons procéder au démontage du PMI Tracer, lanceur pompe des années 90, assez sympa, fiable à démonter et à entretenir. Donc nous allons commencer par le démontage du canon, par dévissage. Démontage de la pompe par ces deux rails. Démontage des vis de corps. Démontage du bloc arrière contenant la valve et le power tube. Le ressort. Le ressort et marteau. Et la culasse. Voilà. Donc, à la suite de ça, le démontage de la valve. Ressort et le power tube. Bien, nous procédons maintenant au remontage avec la culasse tout d'abord, sur laquelle on fixe directement la poignée, la pompe. Ensuite, le marteau et son ressort de culasse. N'hésite pas à clipser directement pour rendre le démontage, le remontage directement de la valve, ressort de valve. Le remontage est nettement plus aisé. Voilà, on fixe directement les trous en parallèle. Pour la pompe, on fixe le frame de la pompe. Par contre, la vis la plus longue va pour l'arrière, la vis la plus courte va pour l'avant. Dans le cas contraire, on bloque, cela bloque la culasse et on ne peut pas tirer. Insérer le canon. Et le lanceur devient fonctionnel à nouveau.